Amel Nedim, chargée du portefeuille énergie et changement climatique au niveau du PNUD. J'ai participé à ce séminaire qui est très intéressant sur la politique climatique au niveau national, qui a mis l'accent sur les différentes stratégies et politiques nationales et sectorielles en matière de changement climatique, notamment sur le volet atténuation des impacts des changements climatiques et aussi adaptation aux impacts également et aux risques liés au changement climatique. Ma recommandation était surtout de mettre l'accent sur les projets et les actions, aussi les programmes qui sont en cours de réalisation et d'essayer de capitaliser sur les réalisations de ces programmes et d'en tirer des enseignements et des leçons pour essayer effectivement d'élaborer de nouveaux projets qui pourraient effectivement combler s'il y a des vides. Une des principales recommandations, notamment la recommandation du PNUD, c'est d'essayer de capitaliser un peu sur tous les projets qui sont en cours de réalisation, les projets, les programmes importants qui sont en cours de réalisation. Je cite notamment le projet de troisième communication nationale qui est en cours d'élaboration en étroite collaboration avec le département de l'environnement. Le projet également LECB, Low Emission Development Strategy, qui développe des stratégies de développement à faible carbone. Et essayer un peu de capitaliser sur tous ces projets et aussi d'en tirer des enseignements et des leçons pour pouvoir élaborer d'autres programmes ou des actions accentuées, effectivement, toujours dans le cadre de la lutte contre les effets des changements climatiques.